Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait depuis quelque temps que j'ai envie de refaire des vidéos et refaire des vidéos ultra pédagogiques comme j'ai aimé beaucoup le faire avant. Euh, c'est vrai que j'attends toujours d'avoir la forme et l'esthétique parfaite, mais je pense qu'à chaque fois, pour... c'est ça qui me freine, hein, en fait, quoi. Et je vais essayer de m'efforcer, de plutôt faire les choses au fur et à mesure. Et puis, bon, j'améliorerai euh, si j'ai envie d'améliorer. Mais bon, c'est vraiment ce côté perfectionniste qui me bloque un peu trop et que je vais essayer de combattre. voilà <laughs> euh, Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, euh, je vais faire de la pédagogie euh, DQ pour cette vidéo. Euh, le but, après, ça serait de faire euh, donc des séries DQ, 7Q, 4Q et 1Q dans mon idée, quoi. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières euh, d'évoluer, de progresser au jeu de go, et euh, ce que je vais dire, euh, on, comment on pourrait dire ça ce que, ce que je vais vous faire part, en fait, dans toutes ces vidéos, c'est un peu ma manière de voir les choses, parmi tant d'autres, en fait. Hein, évidemment, quoi, il y a autant de pédagogie que de pédagogue, hein, euh, j'imagine. Donc, euh, on essayera de faire évoluer les choses au fur et à mesure, et... Euh, euh, tant que tout le monde euh, est ok là-dessus, ben, euh, tout ira bien. Quoi, voilà. <laughs> euh, donc pour cette vidéo, je vais faire euh, de la pédagogie d'IQ. Donc évidemment, on ne va pas aborder euh, tous les points du jeu de gauche. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur des points euh, très spécifiques et très généraux. Parce que à ce niveau, on n'a pas besoin d'avoir toutes les compétences demandées en fait, euh, à plus haut niveau. C'est normal. <laughs> donc euh, je vous mets le, un tableau, en fait, en gros, c'est le tableau des, euh, des différents euh, niveaux au jeu de go. Euh, je vais essayer de me le mettre moi-même devant les yeux pour euh, vite fait euh, qu'on en parle, quoi. Euh, Donc ouais, donc ce tableau, donc, nous ce qu'il faut qu'on regarde, c'est la colonne Fox euh, WQ, de Fox Witchy, quoi. Donc, comme je commence à GQ, ce que vous pouvez regarder, c'est que ça correspond à un niveau, euh, voilà, 11 Q KGS, 13 Q OGS, quoi. Donc, euh, c'est pas euh, trop faible, mais c'est pas non plus euh, trop fort, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de commencer euh, par là. Mm. Aussi, donc là, c'est vrai que je vais jouer contre euh, des inconnus, en soi, je vais jouer sur FoxGo. Euh, oui, donc, euh, aussi un aparté, tout ce que je vais dire... Euh, ça marche aussi sur tous les autres serveurs. Hein. Je joue sur FOSGO, quoi, mais c'est pour ça que je vous ai mis ce tableau pour que vous puissiez vous situer par rapport aux autres serveurs. Mais comme vous pouvez voir, DQ, ce n'est pas si éloigné des autres euh, niveaux. Voilà. Euh, dans un second temps, euh, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que s'il y a des volontaires euh, pour euh, faire ça, par exemple, si vous êtes DQ, et que vous, ou si vous êtes donc DQ, 7Q, 4Q, 1 q sur euh, bon généralement voilà c'est quand même mieux si vous vous situez à ce niveau-là sur euh, Foxgo après comme je vous ai mis le tableau voilà vous regardez par rapport à ce tableau là je vous donne les niveaux que j'aimerais par rapport au niveau euh, Foxgo donc euh, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous dit, parce que je pense que ça serait encore mieux que je puisse jouer contre euh, des gens qui sont au courant. Mais euh, comme je ne peux pas avoir euh, un tas de 10 Q, un tas de 7 Q, un, un tas de 4 Q et premier Q sous le coude, quand j'ai envie de, de jouer, ce n'est pas toujours évident euh, de, de, de faire ça. Euh, non loin du fait que j'aimerais vraiment le faire. quoi Donc si ça vous intéresse... Après, on s'organise, il faut se donner un rendez-vous et tout, et je pense qu'il n'y a, a, a pas de souci. Voilà. Donc, euh, s'il y a un volontaire, euh, des volontaires parmi vous, n'hésitez pas à, à me contacter à ce propos. Ok. Donc maintenant en fait ce qu'on va voir c'est les points importants pour les DQ que je vais vous donner moi personnellement. Alors après voilà, juste euh, faut bien comprendre que la liste que je vais vous donner peut être amenée à évoluer, à être modifiée, à être euh, tronquée. Euh, le but c'est qu'on essaye de... de... Enfin j'essaye avec vous en fait de déterminer les points les plus importants pour euh, les DQ. Euh, je ne pense pas vous donner les points les plus importants objectifs 100% maintenant tout de suite, euh, je pense que c'est même pas possible dans... <laughs> de manière générale, mais euh, ça serait cool qu'on arrive à se rapprocher de ce qu'il y a de plus important à faire euh, quand on est 10 puis après quand je ferai les vidéos 7Q, 4Q, 1Q, on fera aussi les mêmes choses. Donc là je vais vous donner euh, 5 points. Et puis après, ben, au fur et à mesure des vidéos, on essayera de retravailler ces cinq points pour voir en fait si c'est toujours euh, pertinent ou non. Quoi. Donc le premier point pour moi le plus, le plus important, c'est de parler des trois priorités du Fuseki. Euh, alors en fait, en plus là, ça va, ça commence sur un truc un peu spécial puisque je ne, je ne vais vous donner que les deux premières. <laughs> quoi Comment ça <laughs> Tu vas pas, tu vas pas nous dire en fait ce que c'est la troisième Mais pour l'instant, vous prenez pas trop la tête avec ça. Bon, si vous faites un peu de recherche, vous la trouverez quoi qu'il arrive quoi. Donc, on va dire, je vais vous parler des deux premières priorités du Fuseki Donc, la première priorité, c'est la base de vie. La base de vie, c'est devant tout au jeu de go. Et au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, eh ben, on aura l'occasion d'en parler un tas, un tas, un tas de fois. Quoi. Vraiment, ça ne va pas manquer, quoi, je pense. La deuxième priorité de Fuseki, c'est euh, qu'il faut jouer dans le grand espace. Euh, enfin, autrement dit, ça, vous, vous avez sans doute peut-être certains d'entre vous, vous déjà entendu, on appelle ça euh, coup urgent avant les gros coups. Voilà, euh, c'est ce qui est symbolisé par la base de vie ou les grands espaces ou les choses qui les coups qui font euh, de gros points. En gros, quoi. Donc ça voilà. Donc ça c'est le premier point, c'est le plus important, c'est le point des points les plus généraux euh, au jeu de go. Euh, donc ça voilà, il faut bien le noter. En fait, donc n'hésitez pas en fait, hein, tous les points que je vous donne là, à euh, vous prenez une feuille en fait hein, et vous les notez et vous vous le gardez sous le coude quand vous jouez quoi. Je pense c'est ça le, le, le meilleur chose, à, le meilleur truc à faire quoi. Euh, deuxième point, on va essayer de jouer solide, sans faille, en quelque sorte. Bah, essayer quoi, euh, jouer les bonnes formes, en quelque sorte. Voilà, donc jouer sans faille, jouer solide, jouer les bonnes formes. Ça, c'est un point hyper important. Alors, souvent, euh, voilà, il va falloir le définir qu'est-ce que jouer solide, qu'est-ce que euh, jouer. Enfin, euh, jouer les bonnes formes. On peut en apprendre quelques-unes au fur et à mesure. Mais voilà, donc nous, on va se concentrer euh, là-dessus, au niveau d'IQ. Okay. Troisième point. Euh, et ça c'est très très important pour moi c'est quand vous avez besoin de vivre il faut agrandir l'espace Ça c'est hyper 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 important. J'ai mis entre parenthèses euh, quand on veut tuer il faut réduire l'espace mais ça on n'a pas besoin de se prendre la tête sur tuer pour l'instant à DQ quoi euh, c'est une tuer, normalement on dit que c'est une stratégie. Uh, bien sûr que c'est lié à tout un phénomène de vie et de mort, de soumego, tout ça, donc ça peut dépendre de votre niveau général par rapport à ça. Mais je pense qu'à GQ on n'est pas du tout obligé de tuer l'adversaire pour gagner. Donc c'est pour ça que uh, le point le plus important pour moi, c'est de ne pas mourir plus que de tuer l'adversaire. Voilà. <laughs> uh, quatrième point, on va majoritairement jouer sur troisième ligne. On va essayer de se concentrer sur cette ligne, on va essayer d'éviter au maximum la quatrième ligne. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. En fait, quoi. Euh, Encore une fois, hein, je rappelle hein, que là, tous ces points-là, c'est les points qui pour moi, en fait, sont euh, les plus importants à appliquer à DQ. Et encore une fois, je, euh, je disclaim sur le fait que cette liste peut être amenée à évoluer, à être modifiée. Euh, on verra au fur et à mesure si on peut euh, euh, modifier, écrire des choses plus pertinentes ou percutantes, euh, voilà quoi. Et le dernier point, donc ça c'est je pense que c'est le dernier point, c'est le plus subjectif en fait que je vais donner, et c'est très lié à moi sans doute, quoi, à ma pédagogie, mais on va majoritairement jouer un Oshi et un Komoku. Euh, alors je pense que c'est... il y a beaucoup de personnes hein, qui vous diront ça, hein, je ne suis pas unique et tout seul en fait à, à dire ce genre de choses. Euh, mais euh, ouais donc en tant que noir en tant que blanc c'est-à-dire euh, oshi si on est noir oshi si on est blanc alors le kumoku euh, comment on le joue euh, voilà ça je vous vous verrez les détails au fur et à mesure euh, ça c'est pareil peut-être que ça sera amené à changer peut-être que je ferai euh, euh, une série d'IQ qu'avec des Oshi qu'avec des Komoku peut-être même qu'avec des Sansan ou qu'avec même d'autres trucs en fait on va savoir mais on va essayer de faire un maximum de vidéos d'abord sur Oshi euh, et Komoku et ça sera euh, déjà pas mal voilà bon l'intro était euh, plutôt longue <laughs> je m'en excuse il y avait pas mal de choses à dire euh... oui avant un autre petit point oui, voilà, donc ce que j'aimerais en fait vous montrer en tant que DQ, c'est peut-être 3, 4, je sais qui à retenir, des trucs très simples, hein, vous allez voir. Hein. Donc, première chose pour moi la plus importante, donc le Hoshi évidemment, On, vous allez énormément subir l'approche du Hoshi euh, comme cela, et euh, dans cette situation là, euh, pour moi la chose la plus importante que vous devez retenir, c'est simplement faire le Kema avec noir. Évidemment, avec blanc, je vous conseille d'approcher majoritairement le Hoshi avec ce coup-là. On va parler de la maison de san, san juste après. Et quand vous êtes blanc, juste jouez le coup S16. Voilà, un DQ, il n'a pas besoin de savoir plus que ça, pour moi. Encore une fois, ça, ça pourrait être amené à retravailler. Je vais voir au fur et à mesure de comment ça se passe, de ce que les gens ont vraiment besoin. Le but, c'est d'essayer de, de, de trouver, de vous aider de la meilleure manière possible. Euh, noir en répond, et blanc joue là. Ça, c'est un vieux je-sais-qui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le joue plus. Euh, mais on ne le joue plus à euh, haut niveau. Il euh, faut savoir que euh, je pense que jusqu'à euh, 3-4 Q, ce Joseki n'est pas handicapant euh, pour euh, s'améliorer. Donc, ça, c'est la chose la, la plus importante. Ça, on sera amené à le, le, le retravailler au fur et à mesure. Évidemment, euh, si votre adversaire pince, euh, on en reparlera au fur et à mesure. Je ne vais pas parler de tous les Joseki qui existent avec ça parce que. Voilà, le but c'est pas de vous bourrer le crâne en fait de joseki. Donc je vais juste vous parler. Si votre adversaire fait ça, ou si votre, si vous êtes noir, vous jouez là. Si vous êtes blanc, ben, vous jouez là juste après et vous essayez au maximum de faire ce joseki. Et de toute façon, au plus vous allez progresser, au plus tout ça va, euh, va s'améliorer. Enfin, vous allez apprendre des choses de plus en plus nouvelles et euh, ça peut aller plus vite que prévu. Hein, voilà. Euh, donc l'invasion de Saint san aussi, il faut en parler un petit peu invasion saint anne je vais vous parler que d'une seule séquence, une et une seule pour l'instant. Encore une fois, on est au niveau d'IQ, hein, Genre, y en a qui, <laughs> il faut pas que les autres se disent, mais attends, moi je fais jamais ça. Bon, la séquence que je vais vous montrer, c'est donc on bloque. Donc ça, on en reparlera de quel côté on bloque, pourquoi on bloque d'un côté plus que d'un autre. Voilà, je vous donnerai des petites astuces en fait, euh, pas des choses très complexes. Hein. Le but c'est ça. Hein. Blanc. Et là, je vais vous conseiller de majoritairement toujours faire ce année. Parce que vous êtes n'oubliez Oubliez, je vais le répéter dix fois, je sais, mais. Blanc, noir, blanc, noir. Et là, donc là, vous êtes noir. Je veux dire, à ce moment-là, c'est la manière dont je vous conseille de réagir avec noir. Si votre adversaire fait ça, et ben ça, c'est un jeu qui que vous devez apprendre par cœur, en fait. D'accord Voilà, vous devez essayer de majoritairement jouer comme ça avec noir le plus possible, pour l'instant. Si votre adversaire pousse sur seconde ligne, vous, vous reculez. Et vous reculez, en fait, en gros, tant qu'il ne s'arrête pas. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est le truc aussi à, à retenir pour l'oshi. Et donc là, on a fait pour moi presque le tour de, des choses les plus importantes que vous devez savoir avec le komoku. Donc il y a deux manières d'approcher. Donc vous, moi, je vais plutôt parler de, de, de la manière dont il faut jouer, enfin euh, avec blanc. Je vais enfin avec celui qui approche le komoku, je vais vous conseiller majoritairement d'approcher haut. Alors ah oui, mais pourtant t'as dit qu'il fallait jouer majoritairement des coups troisième ligne. C'est vrai. Mais le Komoku, on va dire que c'est un cas un peu particulier. Ça ne veut pas dire qu'on n'approchera jamais en P17, mais encore une fois, à 10Q, je pense que le coup le plus simple que vous pouvez jouer, c'est P16. Bon, on pourra y revenir aussi là-dessus. Hein. Rien n'est très figé, en fait, dans tout ce que je dis. Hein. Voilà, n'oubliez pas. Euh... Donc, avec noir, le jeu de que moi je vous conseille, de toute manière, c'est noir comme ça, blanc à nez, noir recul pour se renforcer, blanc connect pour se renforcer. Noir joue ici, et là je vais vous conseiller majoritairement donc la troisième mine, l'extension en troisième mine. Et ça voilà, on va construire tout en fait à partir de là, et ça je pense que ça sera très bien. Euh, si vous êtes noir, que votre adversaire vous approche bas, ce que, je vais vous, ce que je vous conseille moins avec blanc en fait dans cette situation, et bien là avec noir je pense que je vous conseille majoritairement de jouer Q17 et de jouer le coup R14. Parce que ça fait des points. Et puis blanc en fait euh, va faire l'extension encore une fois en troisième mine. Enfin bon ça ça dépendra de votre adversaire parce que vous, vous en tant que blanc je vais moins vous conseiller de jouer comme ça. Là je dis en tant que blanc mais ça vous pouvez très bien être noir. Enfin vous avez compris quoi. Hein. Donc euh, voilà les deux seules choses pour moi à retenir euh, avec le komoku quoi. C'est quand vous devez approcher le komoku et essayer d'approcher majoritairement en quatrième mine c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Et euh, si vous êtes euh, du côté de noir en fait et que votre adversaire vous approche comme ça ben on va essayer de bloquer majoritairement en Q17. Voilà. Ça, c'est les premières choses que je vais me fixer, moi, en fait, à faire pour vous apprendre, mais toutes ces choses-là seront amenées à évoluer, quoi. Enfin, bon, la chose que je voudrais rajouter, c'est n'hésitez pas, en fait, euh, s'il y a un truc dans la vidéo que euh, vous comprenez pas, vous avez une question, vous voulez en savoir plus sur quelque chose, vous êtes autour d'IQ, évidemment, quoi, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Évidemment, si vous êtes premier Q ou deuxième Q, ou si vous êtes complètement débutant, ça risque d'être un peu complexe, quoi. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos complètement débutants, mais euh, c'est euh, pas pour, pour l'instant, on va dire, quoi. Bon, en plus, à GQ, les vidéos que je vais faire, je vais essayer d'être euh, quand même assez général, et je pense que même un débutant pourrait y trouver son compte dans tout ce que je vais dire, quoi, voilà. Donc, ben, sur ce, on passe euh, à la vidéo pédagogique en question. OK, donc c'est parti, première vidéo DQ. Full pédagogie. Donc, mon adversaire joue là. Alors là, ce que je vais vous conseiller en tant que blanc, c'est toujours croiser. Comme ça, pas de prise de tête. Donc euh, après, donc, ce que je vous dis, c'est on fait Oshi et on fait un Komoku. Voilà, donc jusque-là, euh, c'est OK. Et mon adversaire joue là. Donc là, comme je disais, on va majoritairement jouer solide, tout ça. N'oubliez pas les points importants que, que, que je vous ai parlé en, en début. Donc, une petite seconde. OK. Donc il joue là. Je joue le coup F17 et il joue ici. Ok. Donc maintenant, ça revient à mon tour. Et donc là, c'est le moment où il va falloir euh, donc, essayer d'appliquer un peu tout ce que j'ai dit. Donc les trois priorités du fou, qui la base de vie devant tout, et ensuite, il faut jouer dans les grands espaces. Donc là, bon, bah, on va essayer de jouer dans les grands espaces, puisque en haut à gauche, ça a l'air d'être euh, fixé maintenant. Donc il y a plusieurs choses à faire, hein. il y a plein de coups possibles en début de partie. Hein. Vous voyez, on peut approcher le kumoku, on peut approcher le oshi, on peut faire un tas de choses. Je vais aussi vous conseiller, c'est vrai que je n'ai pas noté ça, mais d'approcher un maximum les pierres pour apprendre des choses. Donc là, par exemple, dans cette situation, je vais juste approcher le kumoku comme ça. C'est intéressant parce que ça empêche le shimari. Shimari, je pourrais peut-être vous mettre la forme, en fait, sur le côté. Euh, S'il y en a qui ne savent pas encore tout à fait ce que c'est, on appelle ça verrou de coin. Hmm. Et ça empêche le noir de faire ce fameux verrou de coin. Donc ok, donc noir joue là. Donc on fait le jeu qui que je vous ai montré. On bloque simplement. On vient connecter. Et là il va peut-être déjà y avoir un cas particulier. Ah non, donc là mon adversaire ne connaît pas je sais qui. Donc il joue le coup au 18. Il menace d'avancer ici. Donc on va le bloquer. Donc ça c'est intéressant parce que si mon adversaire ne répond pas à ça, je menace de faire P18. Et donc de lui capturer sa pierre. Donc il vient la défendre. Et donc là vous avez vu, il n'a pas fait le je sais qui. Quand vous savez pas trop quoi faire, et que votre adversaire est sorti de je sais qui, essayez de revenir un peu au jeu sais qui. Je pense que c'est vraiment la meilleure euh, solution. Donc là, par exemple, comme je vous ai dit, majoritairement troisième ligne, on va jouer K17. Voilà, on joue K17, tranquille, on attend. Ok, il joue un coup en ici. Donc là, il menace encore d'avancer. Donc nous on va le bloquer. On joue solide. Patiente, il fait Atari, je connecte, parce que c'est quand même sa menace d'enlever un sacré paquet de points dans le coin, et il connecte. Ok, et là l'initiative revient à nous. Donc là, de nouveau, il faut se poser la question, est-ce que j'ai un problème de base de vie Parce que c'est la première priorité du Fuseki. Donc là, apparemment, je vais pas avoir trop de problèmes. Là, je suis solide. C'est vrai que là j'ai une extension de 3, il pourrait venir ici, mais chacun de mes deux côtés ont l'air d'être plutôt stable et solide. Donc là, c'est le moment où on peut jouer ailleurs. Donc ça c'est cool. Les invasions sans Sun, -San, je ne vais pas trop vous les conseiller. À votre niveau, peut-être, ça sera dans des niveaux peut-être vers 4 Q que je commencerai à en parler. Mais là, moi, ce que je vous conseille, c'est pas noté dans la liste, ça, c'est vrai, mais c'est de majoritairement approcher les pierres de, de coin, en fait, quoi. Ok, donc il joue ici, donc nous on va monter. Donc ça, c'est pas un truc que j'ai parlé, mais c'est on peut pas parler de tout. Donc là, ok. Donc il a fait ce coup, il m'a donné cette pierre, il n'a pas, pas rajouté de coup pour défendre son coin, il est tout de suite venu jouer là. Ok, donc là, il y a deux manières de faire Atari. Donc ça, ça c'est un point souvent important. Là, quand ce genre de situation vous arrive, moi ce que je vous conseille, c'est de vous poser la question, quel est le meilleur Atari possible Donc déjà, quand il y a une possibilité de faire Atari sur une pierre, la question que vous devez essayer de vous poser, c'est est-ce que je peux capturer cette pierre et donc, ça, ça va dépendre de votre lecture. En fonction de si vous arrivez bien à visualiser ce qui va se passer ou non, vous allez euh, euh, prendre une décision. Bon, là, actuellement, euh, j'aurai le droit de jouer E16, par exemple. Parce que il descend, je joue là. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être un peu complexe. Peut-être que vous n'allez pas y arriver. Donc, ça, j'ai aussi eu un conseil à vous donner. C'est que quand vous hésitez entre deux coups et qu'il y a un coup qui est safe, donc par exemple, vous voyez là, le coup E18, ça serait vraiment un coup très safe. Alors que celui-là, peut-être, vous pourriez avoir un petit peu de mal à le trouver. Bah, ben, si vous hésitez entre les deux, comment décider et ben, vous décidez par rapport à ce que vous pensez de la partie. Si vous pensez que vous n'êtes pas très bien dans la partie, votre adversaire a un peu mieux joué que vous en début et vous vous sentez un peu en retard visuel, du moins. Parce que c'est pas évident de vous sentir en retard au niveau des points précisément quoi. Mais si vous vous sentez un peu en retard ou un peu gêné, que vous pensez que ça a pas l'air de se passer très bien, ben c'est là où la situation où normalement on dit ah, il faudrait peindre un peu de risque en fait en gros quoi. Et au contraire en fait en gros si vous pensez que la partie est plutôt bien correcte en fait que vous avez pas besoin de faire une dinguerie en gros pour, pour gagner, eh ben vous pouvez jouer safe en fait quoi. Et ça ça va être une règle hyper importante tout au long de cette série de pédagogie diQ donc là ici, moi ce que je vais faire, je vais faire un coup vraiment très simple, je vais jouer E18. C'est vrai que je vais pas... Il y en a certains qui vont me dire « Ah mais c'est dommage, tu aurais pu faire E16, ça capturait la pierre. » C'est vrai, mais on va essayer de remettre en, en... en place en fait ce qu'on a besoin de ce qu'on n'a pas besoin. Est-ce que j'avais besoin de jouer E16 pour gagner la partie Quand on est DQ, c'est pas ça qui va vraiment faire une, une énorme différence. Nous ce qu'on veut c'est... Viens faire attention à la base de vie, jouer dans les grands espaces, jouer solide, et tous les points que je vous ai donnés juste avant. Quoi. Donc là, l'initiative revient à nous. Donc là, ce que vous pourriez vous demander, c'est il y a deux coupes. Hein, ça pourrait être une question oui, qu'est-ce qui se passe si jamais il coupe un des deux Est-ce que je vais pouvoir euh, m'en sortir euh, correctement et Là, encore une fois, c'est pareil. Si vous vous demandez, bah, il faut essayer déjà de réfléchir un petit peu euh, s'il si coupe là, qu'est-ce que je peux faire S'il si coupe là, qu'est-ce que je peux faire Là, dans cette situation, je vais jouer quelque chose de très solide. Je pense que je ne vais pas jouer les meilleurs coups. Hein. Évidemment, le but, c'est pas de jouer les meilleurs coups. On ne vous demande pas d'être 5ème d'an pro, voire plus. <laughs> On vous demande d'essayer de passer à la prochaine étape. En fait, quoi. 10 Q, la prochaine étape, c'est 7-8q en général. générale. Hein. Voilà, c'est quelques niveaux après. Donc là, je vais juste défendre en G18. Normalement, je joue solide. En fait, voilà, je suis bien, donc euh, il faut juste attendre. On joue solide, on essaye de ne pas faire de bêtises. Donc là, vous voyez, mon adversaire, il est venu jouer en D18. Et là, ça paraît, on pourrait se demander euh, qu'est-ce qui menace. Ça, c'est toujours un point hyper important au jeu de go. Si je ne réponds pas, c'est toujours ça la question qu'il faut se dire je ne réponds pas, qu'est-ce qu'il va faire bah, Si je réponds pas, il va faire Atari. Ok, et après, qu'est-ce qu'on va faire Voilà, donc ça, encore une fois, c'est lié à la lecture. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs en gros qui travaillent pas beaucoup la lecture à ce niveau, c'est normal, c'est un truc un peu chiant, hein, le travail de la lecture, quoi, il faut faire des tsumego, il faut apprendre à visualiser, il faut lire les chichos jusqu'au bout du plateau, en fait, et parfois on s'embrouille, tout ça. Là, c'est une situation très locale où il n'y a pas tant de coups. Mais par exemple, donc, la question que vous demander, c'est je réponds si j'ai un problème. Et j'ai un problème si... Je ne réponds pas et que lui il peut faire quelque chose de, 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 de grave. Donc, par exemple, là en l'occurrence, si je ne réponds pas, donc pourquoi, je, pourquoi je voudrais ne pas répondre eh bien, Parce que si je n'ai pas de problème, j'ai envie de jouer dans un grand espace, évidemment. Euh, ça fait plus de points. Et comme le but du jeu, c'est d'avoir plus de points que l'adversaire à la fin de la partie, eh euh, voilà, c'est pour ça qu'on a envie de jouer ailleurs euh, très régulièrement. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut Donc, ici, dans cette situation, si Noir joue E19, je me connecter Et ensuite, après, ce qu'il faut observer, c'est les libertés des pierres. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, je pourrais le noter dans les points prochainement. Dans la prochaine vidéo, peut-être que je ferai un ajustement de tous ces points, hein. c'est prévu de toute manière. Donc, cette pierre-là, elle a deux libertés. Si elle fait Atari et que je connecte, elle aura toujours deux libertés. Et moi, à l'inverse, mes cailloux ici, vous voyez, là, ils ont trois libertés. Et donc, si on fait une course, donc par exemple, Noir joue là, joue là, ça, c'est son santé. et puis après, il essaye de jouer ici. Et puis après, moi, je peux jouer ici. Et puis après, il essaie de prendre la liberté. Et voilà, et cette séquence, vous voyez déjà, elle peut être un peu compliquée, parce que voilà, peut-être que vous n'allez pas tout à fait y arriver. C'est un peu euh, délicat, tout ça, quoi. Moi, ce que je vous conseille, si vous, encore une fois, vous pensez que la partie se passe bien, vous pouvez jouer solide. Donc, vous faites Atari de euh, comme ça. Ce qui est important, c'est de faire Atari, euh, de pousser l'adversaire vers le bord et de ne pas pousser l'adversaire vers un endroit où euh, c'est un peu ouvert. Ça, c'est vraiment. Euh, moi j'appelle ça d'ailleurs la prise en sabot, cette chose-là. Ok Donc là, il est venu euh, couper. Bon, il a droit, hein, euh, le jeu de go, c'est un jeu où il y a une multitude de coupes. Donc qu'est-ce qu'il menace si je réponds pas Il menace de faire le coup M18. Donc euh, il faudrait que, sans doute que je défende. Et quand vous ne savez pas comment défendre, la meilleure manière de défendre, c'est de prendre le coup que votre, que votre adversaire menace de faire. Pour le trouver, il faut que vous arriviez en fait à savoir qu'est-ce que veut faire mon adversaire. Et donc c'est pour ça que le, le, le travail se passe avant. Qu'est-ce qu'il veut faire Ok, je vois ce qu'il veut faire, comment me défendre Eh bien je vais prendre le coup qu'il voudrait faire. Donc, ici en l'occurrence, on va jouer le coup M18 pour l'empêcher de le faire lui-même. C'est vraiment la manière la plus simple, je pense, de, de réagir. Et vous voyez donc, il ne répond pas, il joue ici, on va bloquer, donc jusque là on bloque, on menace nous-mêmes de faire P2, l'initiative revient à nous, il n'a pas défendu le, le, le coin, enfin euh, il, il a préféré de défendre son coin en faisant euh, des coups en seconde ligne comme ça, nous ce qu'on va faire c'est juste une extension, une nouvelle fois, on va étendre en troisième ligne, alors je reparlerai peut-être un petit peu des extensions, pourquoi là, pourquoi pas plus près et tout, peut-être ça on aura l'occasion d'en reparler. Ok, et donc là mon adversaire, bon bah il, il essaye de sauver son caillou, et donc il essaye de séparer mes pierres ici euh, de celles ici. En fait c'est peut-être pas une mauvaise idée hein, d'essayer. Après, ce qui est un peu bête en fait dans cette euh, situation, c'est qu'il y a énormément d'espace vide ici, vous voyez, et ici, et il se concentre en fait plutôt sur tenter de faire une action par là. Et donc là, maintenant, comment il faut faire pour réagir bah, C'est toujours une question de liberté. Vous voyez, mes trois pierres blanches, elles ont trois libertés. Et il faut aussi regarder les libertés des pierres noires, elles en ont trois. Et là, il y a un très bon coup qui existe, c'est le « année ». Le « année », en fait, en gros, c'est en plus un « année » à la tête de deux pierres. Alors là, en fait, en plus, c'est même encore plus chaud que ça, quoi. On va le faire. Vous voyez, le prochain coup que je menace, c'est de jouer « M16 ». Et donc normalement il aurait sans doute dû faire un angle vide, donc une mauvaise forme, une forme en fait qui est souvent peu efficace. Là il a pas vu. Et grâce à ma pierre en M18, je peux faire un guetta. Donc vous voyez c'est vraiment euh, à ce niveau-là il faut genre juste poser les pierres une par une, jouer solide, être patient et euh, c'est ça en fait en gros qui va fonctionner le mieux. Donc là ben vous voyez je, je, je joue là. Ok donc là on est dans une situation qui va souvent vous arriver, c'est-à-dire vous avez le choix entre connecter ou prendre les pierres. Et eh bien sachez que ça c'est pareil, je pourrais aussi le noter dans tous les points en fait parce que je pense que c'est un point important DQ à faire. Et eh ben ici, euh, ce que je vous encourage à retenir, c'est capturer. Pourquoi Parce que vous retirez les pierres du plateau. Quand on joue sur un vrai plateau, il y a une action très forte en fait qui se passe, c'est je prends les pierres et je les enlève du plateau, c'est une action même physique je dis souvent et quand on est enfant d'ailleurs, on adore faire ça quoi. <laughs> Et euh, pourquoi c'est important Parce que une fois que je retire ces pierres, elles ne peuvent plus avoir d'effet. Quand les pierres sont capturées, mais toujours sur le plateau, elles peuvent encore avoir de l'effet. On appelle ça de l'adi En fait, quoi. On aura l'occasion d'en reparler ça aussi. Ok, donc mon adversaire joue le coup M3. Donc là mon adversaire voilà on est sur Force Go les gens jouent très agressifs au lieu de se concentrer à jouer sur les grands espaces comme ils devraient le faire il essaie de venir chercher tout ce qu'il y a à faire chez moi au lieu de faire les choses qu'il pourrait faire ailleurs donc ça c'est une très mauvaise habitude c'est un très mauvais aussi un peu comportement au début quoi mais bon c'est normal hein c'est même pas volontaire en quelque sorte quoi donc là pareil voilà il joue ici qu'est-ce qui menace bah, si je réponds pas il va sans doute venir faire le coup M2 donc faire un coup de prise en sabot. Ça c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Ça c'est des noms que, que je donne. C'est pas moi qui les ai inventés, je sais même plus où je les ai trouvés. Je, je pense toujours que c'est dans le livre de Motoki, Le Langage des Pierres. Mais bon, ça, ça reste à vérifier. Mais ça serait sans doute assez évident que ce soit la pédagogie de Motoki qui expliquait ça. Il, était, il est très fort en fait pour trouver des noms comme ça. Euh, donc ici, on fait le coup M2. On joue le coup que notre adversaire voudrait faire. Et on attend, toujours pareil. Mais là, par contre, il y a une petite subtilité. C'est que c'est vrai qu'on a joué le coup M2. Et notre a joué là, et ça ressemble énormément à ça. On dit Moi bah, bah, je fais la même chose, je fais année, ah, sauf que là, attention, il se passe quelque chose, c'est que ces deux pierres n'ont que deux libertés. Et les deux pierres noires ont trois libertés. Donc là, si je joue là, je prends immédiatement le Atari en O5 juste après. Et donc ça, c'est problématique. Donc, je ne peux pas faire ce coup-là. Donc comme et là heureusement qu'est-ce que mon adversaire menace Il menace de faire O5, donc on pourrait être tenté de faire O5. Et après c'est là où euh, notre adversaire joue d'une manière qui va peut-être faire intervenir des choses euh, légèrement plus avancées que DQ. Je ne sais pas encore comment ce que je vais faire, mais je vous explique. Le jeu de go c'est un jeu de points, c'est un jeu de bagarre, de grands espaces, c'est un jeu de euh, celui qui a le plus grand territoire gagne. Les pierres, les donner ou les garder ne sont pas euh, c'est pas exactement sujet euh, au, au fait de gagner au fait d'abord d'avoir de, de, la victoire quoi sauver ces deux cailloux euh, qu'est ce que ça vaut c'est ça le, la question la plus dure en fait sans doute pour des joueurs de niveau euh, diq les sauver ne pas les sauver en fait quoi bon souvent à votre niveau vous posez pas trop la question vous les sauvez, mais là ça serait un moment où on pourrait se poser la question par exemple si je joue moi même là et qui capturait les deux pierres et que je fais une extension, que je prends le contrôle de ce bord, qui est le plus rentable à votre avis Ou même, imaginez, je rajoute un coup sur mon Oshi en C6, qui est le plus rentable Je joue C6, et il joue ici, et je joue même là maintenant, qui est le plus rentable Et je pense que vous voyez euh, là où je commence à en venir. On pourrait faire O5 et du coup combattre. C'est-à-dire combattre pour sauver ces deux cailloux, tout en essayant d'attaquer ces deux cailloux. Mais je pense qu'au niveau d'IQ, ce que vous devez faire, c'est justement essayer d'éviter ce genre de combat un peu trop approximatif. Donc par exemple, là, ce que je vais vous conseiller, c'est défendre un Oshi, c'est extrêmement gros. Et un coup comme C6, c'est très simple. Si jamais lui veut capturer mes deux cailloux ici, chose qu'il ne fait pas, comme vous pouvez le remarquer, et je continue de jouer en fait très agressif. Bon ça vous allez en tomber euh, plein des adversaires comme ça mais il n'y en a, y a pas que des gens comme ça heureusement quoi donc là ici dans ce genre de situation bah, il essaye de traverser mon, mon, mon kema donc on va l'empêcher de jouer le coup en d5 ça c'est très important sinon en fait on appelle ça la forme du traverse -kéma, quoi ok donc il essaye de, de connecter en fait en gros euh, par là donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de juste de continuer à développer notre territoire ici donc je vais bloquer en c4 ça fait Atari en plus, donc c'est bien sympa. Il joue euh, le coup en B5, et moi je vais genre, même juste continuer à venir à jouer en B4. Vous voyez là je, je, je développe tout mon territoire, je suis bien solide, j'ai pas de coupe, alors il y a juste cette pierre qui a de liberté. Il joue ici, on peut même la sauver dans cette situation, on continue de jouer solide. Et vous voyez, donc il a développé un territoire là, j'ai développé un territoire là, donc on a vraiment été dans, euh, comment on pourrait dire, euh, dans le compromis, quoi. Euh, le, dans le partage finalement, quoi. Et ça respecte bien les, les théories du jeu de Go, ça. Hmm. ça, c'est important. Et maintenant, c'est pareil, on continue de se poser la question qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai un problème de base de vie de quelque part Alors on pourrait se demander euh, est-ce que ça c'est faible Est-ce que ça c'est fort C'est pas toujours évident. La définition d'un groupe faible que je préfère, en fait, donner, c'est même pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, ça, je n'ai pas inventé grand-chose, mais je, je transmets en fait le, le, les choses que j'ai apprises. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. Donc la définition d'un groupe faible, c'est à la fois un groupe qui a du mal à vivre sur place et qui manque de direction de jeu. C'est la deuxième partie qui est la plus euh, délicate en fait, à comprendre, sans doute, quand on est DQ. Qu'est-ce que ça veut dire manquer de direction de jeu et bien, Ça veut dire, euh, vous voyez ça comme manquer de fuite, en fait, finalement. Quoi. Là, par exemple, vous voyez, je peux venir par là, je peux venir par là, je peux venir même dans toutes ces zones-là, j'ai énormément d'espace de, 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 de fuite. Ben vraiment, le but c'est pas de fuir, mais j'ai énormément d'espace à côté de, de mes pierres ici. Et en plus, sur place, euh, juste avec une extension 2 ou une extension 1, je pourrais euh, très bien euh, faire deux yeux très rapidement, avoir une base de vie. Donc là je vais décider de jouer dans un grand espace, parce que je n'ai pas de problème ici, je n'ai pas vraiment de problème ici, donc je vais jouer à droite. Et donc comment on joue à droite Et bien le point le plus important... C'est de jouer, euh, d'essayer de, de jouer sur un point un peu euh, médian, enfin une sorte de. Comment, comment vous expliquez ça La première chose à comprendre, bon, déjà, je vais jouer troisième mine, Comme je vous dis, c'est un point qu'on va essayer absolument d'appliquer, jouer majoritairement en troisième ligne, quoi. Et je vais jouer de sorte à ce que j'ai à la fois l'extension 2 de ce côté et l'extension 2 de ce côté. C'est quelque chose que je voulais parler tout à l'heure, en fait, quoi, quand je voulais dire jouer majoritairement sur troisième mine, je voulais aussi rajouter ce point. On essaye de jouer sur un point où on a... Par exemple, vous voyez, si je joue ici, euh, et qu'il m'approche là, et là, l'extension 2, ça sera pas possible, parce que ce sera un coup de contact. Donc, à la limite, je pourrais faire le coup R11, parce que s'il l'approche de ce côté, et eh ben moi, je peux faire l'extension 2 sans toucher la pierre. Et vous voyez, en fait, ce point, on, on viendra, en fait, en gros, le, 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 le faire évoluer au fur et à mesure. Vous verrez quoi. Donc, je vais jouer au milieu. Et donc là, je vise euh, un des deux côtés. Hmm. Ok, donc lui, il fait... Année. Donc là, ce qu'il veut sans doute, c'est peut-être. Il faut toujours se demander, hein, ça c'est un point important, se demander qu'est-ce que mon adversaire il veut. Ah bah là, peut-être qu'avec un coup comme ça, il essaye de venir euh, percer par ici. Euh, qu'est-ce qu'il vise en fait si je réponds pas Peut-être qu'il va essayer d'entrer immédiatement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste défendre avec une extension 2. Ouais, vous voyez, un coup comme G3, je vais pas essayer de faire euh, la folie des grandeurs en fait, quoi que Je fais juste l'extension 2 et vous allez voir, je vais jouer majoritairement en troisième ligne. Donc là, il vient de jouer un coup aussi intéressant, ils viennent jouer un Atari sur ma pierre ici. Et donc je pense qu'à votre niveau, ce que vous faites souvent, c'est que vous répondez très vite. Oh il fait Atari, du coup je réponds. Et là, c'est là, encore une fois, comme vous vous rappelez, ici. Vous avez vu, euh, je n'ai pas répondu et il n'a toujours pas fait le coup au 5. Hein. Euh, si vous répondez immédiatement, en fait là, vous perdez peut-être euh, des points. Parce que euh, la question à se demander, c'est que si... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros à faire sur le plateau, tout simplement Donc là, par exemple, vous voyez, je peux faire des extensions 2 ici, c'est sans doute beaucoup plus gros que cette simple pierre. Pourquoi Parce que cette pierre n'engage que des points et pas la base de vie. Mon groupe ici, il est très solide. Donc s'il capture cette pierre, il va juste capturer un point. Ça sera même pas tout à fait un point, l'intersection N15. Ce sera une sorte de faux œil qui sera obligé de combler à la fin. Donc là, bah, je vais faire une extension 2 d'un des deux côtés. Hein. Voilà, hein, il y a beaucoup d'espace. Alors, de quel côté il y a plus d'espace De ce côté-là ou de ce côté-là Bon, je pense que les deux se valent un peu. Hein. Vous pouvez... Tant que vous faites une extension 2, je pense que c'est pas mal. Moi, je vais venir jouer de ce côté-là. Vous allez voir, on va répéter vraiment ce schéma de jouer simple. Donc, il capture la pierre. Donc, là, un point très intéressant, c'est qu'il ne peut pas approcher ici. Parce que, ben voilà, il va manquer de liberté. Donc, comme il a pris, ben moi, je peux encore jouer ailleurs. Donc, je vais faire la deuxième extension 2. Ouais, tout simplement, quoi. Jusque-là, bon, ben on fait pas des choses de, de fou. Ok, donc, il avance ici. Donc là, on peut être tenté, on va essayer de jouer solide. Donc on va juste le bloquer comme ça. Mm. Il essaye de déchirer le terrain, donc on va le bloquer. Donc vous voyez, là, on a vraiment finalisé notre, notre territoire ici. Et donc lui, il essaye de commencer à développer comme ça. Et donc là, on entre dans une phase hyper importante. Donc j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer de le faire un peu plus vite. C'est vrai que je veux beaucoup parler, mais c'est de faire une petite évaluation, de savoir qu'est-ce qu'il qu en, qu qu en est de la partie. Donc on va essayer de compter les points. Alors rapidement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous pouvez même compter les pierres comme si elles étaient mortes. Hein. Moi j'aime bien prendre un peu le pire des cas. Bon, ça c'est pas trop bien non plus de le faire, mais si vous comptez pas les sauver, vous pouvez envisager de savoir si je les sauve pas, combien j'ai de points. Donc, comme j'avais dit là 1, 2, 3, j'avais dit 13, hein, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et là, donc 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, il a presque 60. Et blanc, il a combien Alors, bon, n'oubliez pas que blanc, il a le commis, hein, 7 points, hein, d'accord 7,5, quoi. Donc là, on peut compter. Là, généralement, ça, ça fait 10 points, si vous voulez savoir, deux extensions de comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 plus 7. Ça fait 17. Oui, il y a le commis. Donc maintenant, on compte 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65. Voilà. Donc il y a 65 points pour blanc, à 60 points pour noir. Donc vous avez vu, quand on fait une évaluation de blanc, on se dit Ah, finalement, ça a l'air grosse que fait noir, mais on n'est pas si éloigné que ça en termes de points. Par contre là, comme on est dans une phase de Chuban, il faut quand même se demander est-ce que c'est pas en train de grandir un peu trop tout ça quoi. Donc on a pris les coins, on a pris les bords et maintenant il reste finalement le centre. Donc, après on peut se demander aussi le coup en G4, est-ce qu'il est très menaçant pour quelque chose On pourrait se dire, ah s'il fait année, qu'est-ce que je peux faire, tout ça quoi, bon. Là le conseil que je peux vous donner, c'est de faire année à la tête de deux pierres. C'est une forme solide. Voilà. Et là, vous pouvez même défendre simplement en jouant J4. Et vous patientez. Le plus important quand on est DQ, c'est il faut pas faire des choses de fou. Je pense qu'il faut jouer solide. Enfin, il faut essayer de respecter un maximum les points que je vous ai donné. Donc lui, de nouveau, il essaye de jouer là. Il essaye de nous séparer ça de ça. Donc il y a plusieurs manières de réagir ici. Le conseil que je peux vous donner, c'est simplement aller par en dessous pour essayer de connecter toutes vos formations. Et vous jouez solide et vous, ça, vous patientez. Hein. Donc voilà, il joue là, donc il menace sans doute de faire l'atari en R11 si je réponds pas. Donc moi je vais juste défendre en R11, tranquille. Il joue ici, alors là attention, ça c'est un point aussi hyper important. Quand mon mari joue là, qu'est-ce qu'il menace encore une nouvelle fois Il menace sans doute de jouer le coup S8. Et pourquoi ça c'est un point grave Parce que je ne pourrai pas le couper ici, parce qu'il pourra faire la prise en sabot avec S10 et ma pierre ici sera morte. Donc mon adversaire menace de faire S8. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire S8. Donc vous voyez j'essaie vraiment d'appliquer des principes simples. Au maximum voilà. Et donc là il est venu capturer mes deux pierres. Mais nous ça ne change pas grand chose. Un petit point de tuban intéressant c'est que comme j'ai évalué que ces deux pierres je lui avais donné, ben, finalement euh, pour l'instant je n'ai pas perdu de point. Donc maintenant que tout est solide, que j'ai vraiment répondu solidement à tout, je vais peut-être me concentrer sur qu'est-ce qui se passe ici. Donc, vous voyez, là, il est en train de grandir un petit peu. Moi, je pourrais essayer de faire grandir ça tout en réduisant cela. Et là, il y a un très bon coup. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez le chercher. On appelle ça un coup de frontière. C'est le coup G15. G15, c'est bien parce que, à la fois, ça développe ma petite zone ici et ça vient réduire sa zone ici. Vous voyez, je vais juste un coup G15. Je menace d'avancer ici. Un point important au go, c'est que parfois, on est trop aussi. Euh, on veut trop faire plein de points. Le but au jeu de go, c'est pas que vous ayez de plus en plus d'avance, c'est qu'à la fin vous ayez de l'avance. Et c'est ça qui fait toute la grande différence. Hein. D'accord Ça n'est pas du tout pareil. Donc pas besoin, euh, quand vous êtes en avance de 5 points, c'est pas la peine d'essayer d'être en avance de 20 points. Votre objectif, c'est juste de d'essayer d'être en avance à la fin de la partie. Et ça, vous verrez, ça c'est un point qui va énormément revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, mon adversaire joue le coup Q11. Bon ben là je pense qu'on peut jouer une très bonne forme. Qui à la fois ben, développe un peu plus de points ici, réduit un peu sa zone. Ok, il joue là, on peut même jouer la deuxième gueule du tigre. Ça c'est bien, franchement. C'est parce que c'est solide. Nous on aime bien être solide. Hein. Alors là, vous voyez, mon adversaire, il essaie de développer une nouvelle zone ici. Et comment je peux faire pour essayer de réduire cette zone tout en restant solide Ben vous voyez, j'ai un caillou en R7. Bah ben, tout ce que je vais faire, c'est je vais faire un simple Toby en P7. Vous voyez, là, je me concentre un peu moins sur les points parce que comme j'avais, comme j'ai compté que j'étais pas trop derrière. En fait, je vais me concentrer sur la solidité de mes, de, de mes pierres. Il fait Atari, je connais, je trouve solide, tranquille, et on patiente. Il avance ici, ça c'est pas trop mal. Et donc du coup, il n'a pas répondu à mon coup là. Voilà, donc euh, là, cette zone-là, elle n'est pas encore terminée hein, du tout. Il lui manque encore plein de pierres. Mais moi, il n'a pas répondu à mon caillou ici. Donc vous voyez, là, il est quand même en train de développer une zone. Donc moi comme vous pouvez essayer aussi de réévaluer un petit peu, hein, ça fait pas de mal euh, si vous voulez être un peu plus sûr de savoir euh, ce qui va se passer. Moi tout ce que je vais faire, c'est genre juste, je vais faire un Toby comme ça, très solide, je prends pas de risque de fou. Ah, il joue le coup en S13. C'est un très bon coup hein, d'ailleurs, quoi. C'est fou qu'il l'ait trouvé euh, aussi vite. Bon, il, les joueurs euh, sur Fosgo sont souvent un peu spéciaux parce que, comme vous pouvez le voir ici, c'est un joueur qui a un... Euh, qui joue soit sur téléphone en fait, soit dans, dans, dans un salon, par exemple. Et c'est souvent des niveaux un petit peu approximatifs. Hein, ce qu'ils ont, ils ne sont pas toujours à leur niveau précisément. En fait, c'est un très bon Tesudi. Si vous êtes effrayé un peu par ce genre de coup, moi ce que je vous conseille, c'est de simplement jouer le coup S12. Alors ça reste ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va faire la en R14. Et c'est un très bon coup parce que du coup, il a pu vraiment développer, en fait, ce... enfin finir, finaliser son coin en santé. Parce que je suis un peu obligé de répondre. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire comme je vous dis la fouille des grandeurs pour gagner. Ah, il coupe. Ah là c'est un cas un peu particulier. C'est vrai qu'on, je vous ai dit, il faut pousser vers le, vers le bord, mais ça ça fait partie des petits cas particuliers. Alors en plus c'est un autre cas, c'est un cas particulier dans un cas particulier. C'est que normalement c'est vrai qu'il faudrait tuer cette pierre, mais là comme vous pouvez remarquer il joue une pierre qui a que de liberté. Moi j'ai de liberté, et il y a aussi cette pierre qui a de liberté. Et en fait, il essaye de me capturer ce groupe alors qu'il a des pierres à deux libertés. Moi aussi, mais c'est à moi de jouer. Au lieu d'essayer de capturer cette pierre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais capturer cette pierre. Je vais jouer ici. Et donc, c'est encore plus euh, optimisé, optimisé, en fait, on pourrait dire. Parce que, en plus de, 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 de capturer, ça, ça avale cette pierre, en plus, ce coup. Et si je suis solide ici, cette pierre-là ne va pas pouvoir survivre. Ok, donc il joue là. Donc qu'est-ce qu'il menace ben, Peut-être qu'il menace, tu vois, il y a deux points de coupe ici. Donc euh, moi, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais sans doute simplement euh, connecter pour être très solide. Voilà, je ne me prends pas la tête. C'est vrai qu'il y a une coupe comme ça, mais en fait, comme je peux faire Atari, je vais encore le pousser vers le bord. Ok, donc il vient faire le contre-atari. Bon, ben, je vais capturer la pierre. Après tout, on n'est peut-être pas si loin du Yossé hein, dans la partie. Hein. Il joue comme ça. Et là c'est le moment où vous pouvez vous dire, ah bah parfait, je peux faire la gueule du tigre, c'est une très bonne forme, c'est cool, c'est vrai, c'est une très bonne forme, mais les bonnes formes, à quoi ça sert Ça sert à être solide, ça sert à être vivant, à être stable. Ici, est-ce que j'ai besoin d'être solide, vivant, stable Ben pas tant que ça, parce que vous voyez, toutes mes, pierres, toutes mes pierres là sont connectées et font des points. Moi ce que je vais me concentrer c'est bon, qu'est-ce que fait mon adversaire. Parce que, on, alors c'est pareil, on pourrait essayer de recompter la partie, mais... Ça, c'est encore un niveau bien au-delà, en fait. C'est-à-dire, à, à 10q on va pas vous demander de compter 18 fois la partie. Si vous le faites, ne serait-ce qu'une fois, et très rapidement, en fait, on hein, n'a pas besoin d'être très précis. Bah, c'est déjà extrêmement bien, hein, d'accord Donc là, comme vous pouvez voir, mon adversaire, quand il joue là, il essaye peut-être de développer quelque chose par ici. Et moi, je vais jouer encore tout simple, c'est-à-dire, okay. je vais juste faire un Toby. Je vais continuer d'avancer. Je vais considérer que, voilà, bon, il essaye de jouer ça, ok donc ce coup là, qu'est-ce qui menace bah Peut-être qu'il menace de faire Atari, Atari, ça pourrait être compliqué. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste jouer très solide, je vais juste jouer un coup comme L3. Très simple. Il avance encore. Donc là c'est vrai qu'il y a Atari, mais euh, s'il joue des coups comme ça, il va se retrouver dans mon territoire, euh, il va sans doute pas bien survivre. Voilà, donc après ça dépend d'un certain petit niveau de, de lecture, et évidemment, bon... À DQ, euh, parfois, il y a DQ, parfois, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Mais euh, encore une fois, si vous, vous trouvez bien dans la partie et que vous avez un peu peur de ce qui se passe ici, il ne faut pas hésiter à rajouter un coup. Mais si vous vous trouvez bien, si vous pensez que vous n'êtes pas si bien que ça, euh, c'est là où il faut penser à prendre des risques et pas jouer trop simplement. Et donc après, vous devenez légitime. Ça ne veut pas dire que ça va vous faire gagner la partie. Mais vous aurez joué plus cohérent par rapport à ce que, la partie, à ce que vous pensez de la partie. Et ça, c'est le plus important. Ok, donc il joue là. Donc il n'a pas répondu à mon coup de nouveau, donc là comme il répond pas à ma pierre, il, il fait plus trop grand chose ici. On pourrait en faire encore un Toby hein, finalement. Hein. Nous on peut faire ça, enfin. on fait un Toby, on essaye vraiment de lui dire que là il fera pas de point. Ok, donc il coupe la Donc On fait, on défend. Alors après là le problème c'est une question de liberté, vous voyez en fait là il a que trois libertés et moi bon si vous vous savez pas trop ce qu'il faut faire ici si, bon moi je vous conseille de jouer K2, voilà. K2, c'est très bien, il n'a plus que de liberté, vous voyez, donc là, on peut encore réduire ses libertés. Il n'en a que deux. Moi, ici, on peut même regarder. J'ai une, deux, trois, il n'a que deux. Donc, je joue vraiment simple. Hein. Je ne prends pas de risque, rien hein, du tout. Et donc, il joue là. Donc ce coup-là, il est très intéressant parce qu'il bah, essaye de développer euh, des points par ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Blanc Bon ben. Bah, on pourrait essayer de, 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 de réduire sa zone par là, quoi. Donc moi, ben, bah, vous pouvez essayer de, de jouer un coup dans cette zone pour éviter qu'il fasse trop de points. Donc comme j'ai plein de pierres ici, bah, je vais me permettre d'aller jouer le Tengen par exemple. quoi. Voilà, c'est un coup, euh, je lui dis que j'essaye de, de faire en sorte qu'il fasse pas trop de points par là. Pourquoi je fais simplement des coups comme ça vous avez, vu, vous avez vu depuis quelques temps, je ne fais pas trop de coups qui font des points, parce que les points, je les ai déjà faits, ils ont déjà été accomplis. Et comme j'avais fait une petite évaluation, j'essaie de me baser dessus maintenant. Mmh. Ok, donc il coupe. Donc là, la prise en sabot, on le pousse vers le bord. Il n'a qu'une liberté, j'en ai deux, même s'il en a deux ici, en fait, en gros, euh, comme cette pierre est en Atari, il ne peut pas faire grand chose. Il pousse, il menace de, euh, bah, de me déchirer, donc euh, du coup, bah, je, je, je défends. Vraiment, toujours, hein, jouer simple, jouer simple. Ok, il descend, mais alors ça, ça va pas marcher, parce que comme cette pierre est en Atari, il ne peut pas faire grand chose ici. Vous voyez, là, il commence à un peu paniquer peut-être, parce qu'il essaye. Qu'est-ce qu'il va faire Peut-être qu'il va essayer de faire Atari avec un des deux coups, mais comme je peux capturer immédiatement la pierre après, ce qu'on pourrait dire, mais s'il descend ici, il va gagner une liberté. Oui, mais moi, je peux encore mettre Atari en T6. Alors attention, s'il descend, on ne va pas faire T8. Là, on se met en Atari. Mais on pourra faire T6. Et s'il avance en T8, je peux capturer. Voilà, ça c'est petite lecture. C'est vrai que c'est très important. Au niveau d'IQ, on pouvait beaucoup louper ça. Et donc, c'est-à-dire que vous allez capturer immédiatement la pierre alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc là, comme je vous ai montré, c'est pas vraiment nécessaire. Donc ce que je vais faire, bah, maintenant je vais vraiment... Entamer le Yose, quoi. Donc par exemple, ben, je vais jouer le coup S4. Et je vais venir réduire les points. Et vous, vous rappelez, j'avais compté des points pour en noir ici. Et maintenant que je joue le coup en S4, ben, il y en a beaucoup moins. Ok, il essaye de couper, mais cette pierre-là n'a plus que de liberté. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur euh, le bord euh, comme ici. Vous voyez, cette pierre, je l'ai envoyée en fait contre la première ligne parce qu'elle était en seconde ligne. Alors que cette pierre, elle est en troisième ligne. Et là, ce qu'on peut faire, c'est un chichot. Vous voyez s'il sort. Je fais Atari, s'il sort, je fais Atari, s'il sort, je fais Atari, donc ça c'est un simple chichot. On peut même faire le chichot de plusieurs manières, on n'est même pas obligé de jouer là, on peut même aussi jouer ici, par exemple quoi. Les deux marchent, hein. il Faut juste compter une, deux, trois libertés. Là il a que deux. Bon, les deux marchent. On va quand même faire le plus simple, sans doute quoi. Okay. Et donc il abandonne. Ok, ok. Bon bah très bien. Juste on va regarder en fait, par exemple, qu'est-ce que dit euh, l'estimation L'estimation dit blanc plus 37 points. Hein, et je vous laisse regarder euh, ce qui se passe sur le plateau. Alors j'ai l'impression... Ah non non c'est bon, j'avais l'impression que c'était un peu bugué, mais ça va. Euh, donc comme vous pouvez voir, donc noir, ben là depuis que j'ai joué le coup s 4 vous voyez en fait, euh, c'est pas une IA en fait hein, qui donne ses points, c'est une sorte d'algorithme automatique. Voilà, il dit que blanc a plus 37. Alors je pense que blanc a pas plus 37, je pense qu'il a moins. Mais en tout cas, je pense que blanc est pas mal dans la partie. Donc, comme vous pouvez voir, donc je n'ai rien fait de, de, de très très complexe. Hein. Je, juste j'essaye de jouer solide. Jouer les bonnes formes, faire des extensions. Et euh, voilà. donc là, oui, c'est vrai que pourquoi je fais l'extension ici On pourrait en parler. Euh, quand on a une pierre sur le bord, en règle générale, l'extension qu'on adore faire, c'est l'extension 2. Ça, vous verrez, on va énormément en parler. Quand on a une pierre sur troisième ligne, la bonne extension d'une pierre, c'est l'extension 2. Mais par contre, dès qu'on a deux pierres, une sorte de mur comme ça, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on peut aller même un peu plus loin, en troisième ligne. Alors pourquoi alors ça, ça cache plein de mystères en fait. Euh, pourquoi on peut aller plus loin quand on a un mur de deux Alors je pense que euh, on peut comprendre. Hein, et ce qui est bien avec le jeu de Go, c'est que c'est à la fois un jeu de logique et aussi euh, c'est un jeu logique et intuitif. Donc euh, je pense que même si on comprend pas tout à fait pourquoi on peut aller plus loin, on comprend de manière intuitive, oui, le mur il est plus grand, il est plus solide, donc ça peut rayonner plus loin. Je pense que je peux comprendre la logique, mais il y a aussi euh, des raisons techniques qui sont cachées euh, là-dedans. Et donc ça n'a pas été le cas dans la partie, donc on ne va pas en parler tout de suite, ça sert à rien de vous bourrer le crâne en fait, hein, comme je dis tout le temps en fait quoi. On verra ça au fur et à mesure. Quoi. Mais la première étape c'est euh, si vous avez une pierre, vous faites une extension 2, et si vous avez deux pierres, vous faites une extension 3. Après, on pourrait demander et si j'ai trois pierres. Moi je vous conseille d'essayer de, de ne jamais aller plus loin que l'extension 3 pour l'instant. Euh, je pense que c'est le plus simple. Donc voilà, une pierre, extension 2, deux pierres, extension 3. Et donc vous avez vu dans la partie, pourquoi j'ai fait extension 3. Parce que j'ai deux pierres. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce truc. Euh, mais moi, pas, euh, j'ai pas essayé de, de, de traficoter ou de bricoler plus. Mais j'ai deux pierres. Je viens juste en troisième ligne. Et en extension 3. Donc, okay une, deux, trois espaces. Je joue ici par rapport à mes deux cailloux. C'est vrai qu'il y a une coupe ici. Mais bon, j'essaye juste de refaire ce que j'ai appris. En fait, quoi. Et donc après, bah lui, il essaye. A... En fait, mon adversaire, le gros problème qu'il a eu dans cette partie, et le gros problème que beaucoup de joueurs d'IQ ont, c'est qu'il joue trop en seconde ligne, il fait Atari, et vous avez vu, après, il défend ce caillou alors qu'il y a encore beaucoup d'espace. Là, par exemple, ce qu'on aurait dû faire, c'est euh, des coups très larges comme ça sur les bords pour essayer de, ben, de, euh, essayer de contrôler des, des grandes zones. Il peut même aussi approcher, euh, tout ceci, quoi. Mais comme mon adversaire a juste fait ça, bah, c'est moi qui prends l'initiative pour aller jouer ailleurs. Parce que... Il ne menace pas ma base de vie. Donc, je peux respecter la deuxième priorité du fouzéki Et ainsi de suite. Vous voyez, après, donc là, j'ai fait un mur de 2. Normalement, ce que mon Rassard aurait dû faire, il aurait dû sans doute jouer là. Et moi, j'aurais pu faire de nouveau l'extension 3 sur troisième ligne. Et ça, ça aurait été très simple. Là, dans la partie, mon arsène a joué ici. C'est vrai que j'ai joué ce coup. Mais peut-être que certains l'ont vu, j'aurais pu jouer là. Noir peut jouer ici. Je, enfin, Noir va peut-être jouer ici. Et moi, je peux simplement bloquer en 3. Et là, si on fait la course. Vous voyez, il n'y a rien qui marche. Même s'il y a Atari, c'est vrai que c'est ça le truc un peu compliqué. Oui, mais si il m'en fait Atari, je sors, et si Noir joue là, et non, ça ne fait pas un chichot. Noir ne peut pas faire chichot. Parce que la pierre en 6 se retrouve en Atari. Donc noir est obligé de jouer 10. L'initiative revient à Blanc et Blanc peut jouer là. En règle générale, ça je sais que j'aime bien l'appeler la grande prise en sabot. Qu'est-ce que c'est la grande prise en sabot Bon déjà la petite prise en sabot, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que moi j'appelle la petite prise en sabot C'est ça. C'est-à-dire quand on capture une pierre et qu'on l'envoie sur le bord. La Petite prise en sabot elle peut prendre euh, plusieurs formes, hein. euh, euh, par exemple, par exemple, si euh, je vous montre, hein. hop là, hop là, voilà. Ça c'est aussi la même forme que ça, c'est la, la petite prise en sabot parce que c'est la même chose sauf qu'on a rajouté euh, la pierre neuf, quoi. Mais ça revient en fait au ça revient en même que si noir joue là, on joue ici et on capture donc ça c'est la prise en sabot normale. Et il y a la grande prise en sabot, c'est une forme un peu plus complexe, ça c'est vrai à la grande prise en sabot. là C'est quelque chose comme ça. Et donc euh, quand on se retrouve dans cette situation, Noir peut capturer la pierre 6. J'aurais même pu le faire immédiatement au lieu de jouer ailleurs, quoi. Noir peut capturer la pierre 6 en envoyant le blanc vers le bord. Donc si Blanc descend, on joue là. Si Blanc joue là, je joue ici. Et là, pareil, en fait, hein. alors en plus là c'est encore plus compliqué pour Blanc parce que les pierres 13 ont 3 libertés. Et donc là vous voyez, même si Blanc essaie de capturer comme ça, j'ai le temps de venir jouer là. Donc, la grande prise en sabot, c'est aussi très très important. Ce genre de pierre en troisième ligne, ça, la seule solution pour s'en rappeler, c'est de se rappeler de la forme. Et comment faire pour se rappeler de la forme Eh bien, il faut essayer de la détecter. Et au fur et à mesure, vous allez vous tromper au début, vous allez mal le détecter, vous allez mal le voir. Et puis après, ben, si vous revoyez vos parties et qu'on vous montre en fait où c'était, petit à petit, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Quoi. Mm. Ok, eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, encore une fois, je répète, cette vidéo était majoritairement pour les joueurs d'EQ. Donc c'est normal, en fait, en gros, j'ai pas fait les meilleurs coups, mais c'est fait exprès. J'améliorerai peut-être, en fait, euh, la pédagogie au fur et à mesure. Si vous avez des questions, les DQ, les joueurs aussi un peu plus forts peuvent, et les joueurs plus faibles, bien sûr qu'ils peuvent, vous pouvez me demander, en fait, euh, dans les commentaires. Je vous invite à venir sur mon serveur Discord, carrément pour me les poser euh, soit en privé, soit dans un des salons, euh, un peu ce que vous voulez, hein, même en général, hein, vous pouvez ne pas hésiter. D'ailleurs, il y a même des gens qui répondent à ma place souvent, euh, c'est très sympa quoi. Euh, voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous a plu et je vous prépare un maximum de vidéos pour cette nouvelle année. Merci à tous, ciao ciao